Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Undertale. La dernière fois on avait épargné Papyrus. Et voilà. Donc maintenant regardez ce que j'ai là. Là. Ce sont des feuilles, oui, c'est bien. Mais des traductions. Bon, c'est des traductions c'est qui vont faire un seul épisode, oui, mais... Voilà. Tout est écrit à la main. Oui. Je fais bien parce que c'est le meilleur jeu du monde. Moi je le ferai pas, oui, voilà, voilà. Bon, bref, essayons de commencer. Oui, là, essayons de commencer. Allez, on était à là, et du coup, on retourne en arrière parce qu'on va voir Papyrus chez lui. Et si j'avais pas les traductions, j'aurais pas fait. Voilà, tout simplement. Voilà, bon. Bon, bon, bon. Allez, on continue. Attendez, je regarde un truc. Non, attendez, c'est... Je mets sur stop déjà. Non, attendez, je sais pas si le micro, il marche. Oh, oh, oh. Ouais, ouais, je crois que c'est le micro. C'est bon. Désolé. Bon, bref, on continue. Donc, voilà. Bonsoir, Papyrus. Ainsi, tu reviens pour me voir. Tu as l'air de prendre ça vraiment au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. C'est très bien, Papyrus. Voilà. Ma maison. D'accord, à plus. Je vais faire le bâtard, je me tire. Non, je dis... Bon, allez. Allez, hop, hop, hop. Donc, c'est quoi ça? Ce caillou de compagnie de mon frère. Il oublie toujours de nous nourrir. Comme d'habitude, j'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Très intéressant. Oui, on va voir le frigo et après on ira voir cet évier très chelou, hein. Voilà. Donc attends. Ah ah, tu aimes la moitié du frigo est remplie de tupperware avec spaghetti marqué dessus. Il n'y a rien dans l'autre moitié à part un paquet de chips vide. D'accord. Oui, parce que vous comprenez, en fait, je prends ces traductions sur les vidéos d'autres youtubeurs. Et le traducteur de cette vidéo-là, eh ben, il n'a pas mis tous les dialogues. Voilà. Il est très intéressant. Mais bon. Je peux y mettre encore plus d'os. Matte un peu. Non, je... Oui, non, c'est là qu'il dit. Je peux mettre encore plus d'os, mettre un peu. Et il a... C'est lui qui l'a élevé, l'évier. Quoi? Qu'on saisit ce satané chien. Malédiction. Sans. Arrête avec ton instrument de musique. Oui, bah c'est déjà mieux qu'avant, hein, tu vas me dire. Voici ma chambre. Je m'en fous. Oui, je veux rentrer. Voilà. Oui, je suis un peu perdu mais avec la traduction. Et alors, est-ce que ça vous dérange? Hein? Donc ça c'est quoi? Et ce sont toutes les attaques que j'ai usées pour toi, que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein? Je m'en souviens comme si c'était hier, même si ça vient juste de se passer.
Même si ça vient juste d'arriver en fait. Voilà. Non, ouais, non, rien. Bon, en vrai, avec la traduction, ça va être plus chiant, je crois. Non, je pense pas. Au moins, vous allez comprendre l'histoire. C'est le plus important. Voilà. Et je bouge la webcam. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, on bouge quand même la webcam, les amis. Voilà. Je suis perdu. Parce que c'est... Il y en a de partout, des mots. Il y a des mots de partout. Et, oh ouais, vous vous en foutez, oui, je sais. Bon, bref. J'en suis à où? Ah oui. Donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, tu voudrais qu'on commence à traîner ensemble? Traîner avec Papyrus? Non. Bon, d'accord, si. Ok, traînons ensemble alors. Début du traînage. Et voilà, on traîne ensemble. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude. On écrit. Oui, on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom. Oui, alors il y a le P. Enfin, j'ai dit le truc en anglais. Il y a le P, le R, le P encore, A, R, P. R, P, A, R. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais fait ça avant. Non. J'ai emprunté un authentique guide de traînage amical à la bibliothèque. On va s'éclater. Oui, je suis prêt. Alors, voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran d'amitié. On est samedi 7. Ouais, on est samedi. Oh, ouais, en plus ça marque bonjour. C'est ça, mais... c'est normal qu'il y ait un radar à chien. C'est normal ou pas? Egg, pourquoi il y a un œuf? Là, il y a écrit. Laisse tomber. Laisse tomber. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour l'étape 2. Donc, étape 2, proposez-lui de traîner ensemble. Humain, moi, le grand Papyrus, je t'invite maintenant à traîner avec moi. Ouais. Vraiment? Oh oui! Je suppose qu'on peut passer à l'étape 3. Étape 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. Ce bandana autour de ta tête. Je crois que j'ai un chapeau, moi. Ouais, enfin, il avait pas pris le chapeau. Enfin, je sais plus de toute façon. Non, j'ai pas encore le chapeau puisque le chapeau est... Ouais, on s'en fout. Attends, c'est bon, on a autour de ta tête. Tu portes des habits en ce moment même. Et ce n'est pas tout. Non, attends, c'est où? Je suis perdu, aidez-moi les amis. Aidez-moi si vous... Ça fait déjà 9 minutes. Non, punaise. Ça fait déjà 9 minutes qu'on fait le petit rendez-vous avec Papayus. Papayus, voilà, je dis Papayus. Et alors, ça te dérange que je dis Papayus? Y'a la da toutou ici, y'a la da toutou. Et ce n'est pas tout. Tu portais aussi des habits. Non. Tu portais aussi des habits tout à l'heure. Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on traîne ensemble depuis le début? Oui. Non. Non, tu avais tout prévu. Quel talent en matière de traînage. Non, non, ton pouvoir de l'amitié. Nien. Non, c'est là qu'il dit nien. Mais voilà, c'est bon, j'ai juste un petit nien d'avance, c'est bon.
Oui. Pardon. Faut que je me calme. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand Papelos, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé en traînage. Parce que t'as déjà fait du traînage. Tu vas me dire que t'as déjà fait du traînage. Mais t'as pas d'amis, mon gars, je suis ton seul ami. Faut que j'arrête de gueuler des fois. Mon père va vraiment prendre pour un taré un jour. Je peux bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. Ah non, non, c'est bon, j'ai passé trop vite. Et je ne serai jamais surpassé. Je ne peux bien faire comme toi. Moi aussi, je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux. Sous mes vêtements normaux. Dans l'éventualité où quelqu'un voudrait traîner avec moi. Admis. Nier. Je sais pas où c'est, putain. J'arrête pas de perdre. Nier. Que penses-tu? Nier. Non, attends. Nier, que penses-tu de mon style secret? J'adore. Bof. Ben j'ai la traduction pour j'adore. Hein. De toute façon, on va dire j'adore. Parce que c'est pas mal. Non! Un compliment sincère. Amitié, c'est un bar d'amitié. Cependant, tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte pas. Ce traînage n'a pas. Ce traînage n'ira pas plus loin. Sauf si tu perces à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Appuie sur Z pour examiner. Il faut trouver le secret de Papyrus, les amis. Il faut crever le secret de Papyrus. Cool dude, non. Bah, de toute façon, j'ai que la traduction pour le bon. Hein, donc, on va faire le bon. Z. Ah non, attends, c'est sous. Putain, j'ai perdu la traduction, papier. Dis-moi où es-tu, petite traduction. Ma casquette? Ma casquette? Ma casquette! Eh bien, tu as trouvé mon secret. Je suppose que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Oui. Tu es au courant que tu as un cadeau dans la. Je vais rien dire. Je vais rien dire, hein, qui est top. J'ai perdu le truc, vilain, vilaine casquette au cadeau. Je suppose que c'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi. L'ouvrir, pas l'ouvrir. On va pas l'ouvrir, hein. Bon, d'accord. On l'ouvre. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr. Des spaghettis! C'est bien. Tu es au courant que tu as des spaghettis sur la tête? Non, je dis ça comme ça, mais tu as quand même des spaghettis sur la tête. Voilà, t'as des spaghettis sur la tête. C'est. Où est la logique, s'il te plaît? La logique! Faut que je me calme, moi, Clovis. Calme-toi. Tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Tu dois pas. Tu dois te calmer. Faut que je me calme. Et nanana, des spaghettis. Mais tu n'as pas affaire à des pâtes ordinaires. Non, c'est là. Je sais pas. Ah non, c'est bon. J'ai trouvé. Est-ce que tu. Ah putain. Mais tu n'as pas affaire à des pâtes ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. De soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chêne. Puis cuisiné par moi, le grand Papyrus, le grand chef Papyrus. Le grand chef Papyrus.
Humain, il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Goûter, ne pas goûter. J'ai que la traduction pour goûter, donc on va goûter. Hein. Goûter. Vous prenez une bouchée. Votre visage se crispe subitement. Ce goût est indescriptible. Indescriptible. Quelle expression! Que d'émotion! Non, attends, je me suis perdu. Quelle expression, que d'émotion! Tu sembles adorer ma cuisine! Et donc, par extension, tu m'adores! Peut-être même plus que je ne m'adore. Peut-être même plus que je ne m'adore. J'aurais dû réviser avant. Ça fait déjà 15 minutes! Ah! Ah non, il est mort. On a gagné. Humain, tout est clair maintenant. Je t'obsède complètement. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Humain, moi aussi je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que moi, Papyrus, oui, c'est là. Je suis flatté par ta dévotion. Ça veut dire quoi, dévotion? Dites-le en commentaire pour la dévotion. La dévotion, alors. J'ai pas d'amis. Enfin, si, il y en a un qui vient tout à l'heure pour faire du doublage, oui, mais voilà. Vous aurez déjà vu la vidéo aussi, le doublage d'avant, que j'ai mis avant. Normalement, vous aurez déjà vu la vidéo. Oui, parce que là, je vais pas partir sur un comptage de ma vie. Et bien, moi aussi, je ne souhaite que... Eh bien, je suis flatté par ta dévotion. Mais, du calme, d'accord? T'es vraiment quelqu'un de bien. mais pour exploiter pleinement ton potentiel, il faudrait... Oui, c'est normal. Hein. Oui, on va continuer à parler. Tu as une véritable passion pour moi, mais moi, le grand Papyrus, est échoué. Oui, je comprends. Mais non, mais pourquoi c'est pas pareil qu'en français? Oui, j'ai du love pour toi. Oui, non. Oui. Oui, je sais pas. Tu es un ami sympa. Sympa. Je pensais enfin m'en sortir avec cette traduction, mais il n'y a pas tout. Y a, je sais pas, je comprends plus rien. Maintenant, c'est parti dans le délire. Ouais, vive les Zoulous! 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 Voilà. Maintenant, je vois plus rien parce que je louche. J'arrête de loucher. Voilà. Bon, les Zoulous sont partis, les amis. Putain, je vais faire une vidéo juste sur ça. Si ça continue, j'en ai déjà 19 minutes. Voilà, juste pour... juste pour l'information, hein. C'est tout. Donc, m'adore, une main, c'est clair pour toi. Tiens, moi, il est temps de... Mais du calme, d'accord? Vraiment quelqu'un de bien. Je suis content qu'on soit amis. Mais pour exploiter pleinement ton potentiel, il faudrait que tu commences à vivre pour toi plutôt qu'à moi. S'il te plaît. Je sais pas. Il s'est cassé, ça m'a ça. Non, attendez, je vais vous dire quand même toute la traduction, tout ce qui s'est passé avant. Peut-être que j'ai mal compris, que je me suis perdu, c'est pour ça. Donc,
Je suis content qu'on soit amis, mais pour exploiter pleinement ton potentiel, il faudrait que tu commences à vivre pour toi plutôt qu'à moi. Hé, j'ai trouvé la solution. Tu devrais traîner avec... avec quoi? Avec ma patronne, Undyne. Je pense que si tu pouvais diversifier tes fréquentations, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Ouais, salut mon pote avec Undyne. Yeah. Oui. Je... Non, 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 je... Tu sais, je t'ai dit, j'ai dit que je connaissais déjà le jeu. Et être pote avec Undyne maintenant, c'est pas... Non, non, c'est pas mon truc, en fait, c'est... Non, 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 non. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mais pas genre téléphone rose, merci. Bon, faut que j'y aille. Nye. Voilà, c'est le gros bordel cette traduction. Je sais pas ce qui s'est passé, c'était le gros bordel cette traduction. Donc voilà, je me tire d'ici. Je me tire. Donc ok, c'est ça la prochaine traduction. Ouais. Youpi. C'est là que Papyrus il a marché sur l'eau. Là. Voilà, tout simplement. Nous marchons. Yo, toi aussi tu fais le mur pour la voir? Génial, avoue, elle est trop cool. Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Et hey, va pas dire à mes parents que je suis ici surtout. Mais qui sont tes parents? Si je pouvais faire du montage sans que le son bug, j'aurais fait, j'aurais mis une musique d'Illuminati. Voilà, faut que j'arrête. Donc, voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. On va voir la fleur. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. C'est bien. Donc ça, on va pas lui parler. Même s'il y a un truc à faire avec. Mais non, parce que il l'a pas fait. Ou alors il l'a pas montré, je sais pas. Mais voilà. Mon traducteur ne l'a pas fait. Voilà. Bon, c'est super bien. Allez. Bah, j'ai déjà fini cette feuille. Bref. Donc qu'est-ce qu'on a dans la... On avait mis quoi dans notre boîte déjà? Utiliser la boîte. Oui. On avait le couteau en plastique, mais on... Ouais, voilà, t'as vu, il est là, bandage. Tarte, cannelle, le bâton, bah, on a rien. On a le morceau de bonhomme de neige, mais il sert pas. Bon, non, c'est bon. Ouais, la tarte, je garde pour plus tard, parce que ça redonne toute la vie. Oh, non, je suis tombé. Que dit cette fleur d'écho? Enfin, qu'a enregistré cette fleur d'écho? J'ai pas la traduction, j'ai la chance de le faire. Hey, je suis sûr d'avoir vu quelque chose derrière la cascade. Derrière la cascade. C'est pas ce derrière là, mais bon. Il y a une caméra dans la cascade. Quoi? C'est tout? Oui, c'est tout. J'ai juste dit qu'il y avait une caméra dans la cascade. Oh, c'était le truc derrière la cascade. Oh, c'est un vieux tutu. Voulez-vous le prendre? Oui. Vous prenez le vieux tutu et on va l'équiper. Item. Hall de toutou. C'est un hall de toutou. Utilisez le hall de toutou. C'est un hall de toutou en anglais. Tu t'équipes du vieux tutu. Donc maintenant on va mettre la dernière défense qu'on avait. Dans la boîte. Voilà, utilisez la boîte. Oui. Faut que je me calme. Si je continue comme ça, j'aurai plus de clavier à la fin. Bon, c'est quoi mon money badana? C'est ça? C'est quoi ça? Je me casse. Voilà. Je me casse ici, je mets rien dans la boîte et voilà. Donc c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Tiens. L'ombre. L'ombre ici signifie une chose. La venue d'une personne, son ombre.
Undyne, je viens te faire mon rapport du jour. À propos de cet humain dont j'ai parlé plus tôt. Hein, est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, non. J'ai vraiment tout essayé, Undyne, mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undyne, inutile de le détruire. Tu vois? Pauvre Papyrus, je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Je me prépare au combat. Allez là. Allez. C'est ça, casse-toi. Allez, adieu. Attends, attends, il est où cette traduction, putain? Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial! T'as trop de la chance! T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Ah, allez, viens, on va aller avoir botté les fesses des méchants. Tu t'es cassé la gueule là. Tu t'es cassé la gueule. Tu t'es cassé la gueule. Voilà, tu es mort. Tu vas mourir. Tu vas bientôt mourir à cause de ça, voilà. Sauvegarder. Et ça fait déjà 27 minutes que je tourne. Mais tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est le truc avec Papyrus. C'est juste le truc avec Papyrus. Mais puisque je me suis perdu dans mes traductions, ben ça fait que c'était nul la vidéo, voilà. Et que du coup, on va arrêter là, d'accord? Voilà. Oui. Oui. Au moins, ça me fera une vidéo en plus. Voilà. Cela t'aura plus de détermination. Ok. Sauvegarder. Bah voilà, on s'arrête ici. Mettez un max de pouces bleus pour l'initiative d'avoir écrit les traductions. Non, les traductions là. Enfin, ça c'est celle du rendez-vous avec Papyrus, et on s'en fout, voilà. Parce que... Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mettez un max de pouces bleus pour cette traduction que j'ai mal traduit. Enfin, que j'ai mal dit. Voilà, je... Non, c'est là la caméra. Voilà. C'est très bien. Et abonnez-vous! Ouais!